très grand problème. On a vraiment battu pour un théâtre qu'on a utilisé pendant à peu près 30 ans. Mais malheureusement, on n'a pas pu réussir et le théâtre est démoli maintenant. On a eu beaucoup de protestations pendant le festival. Même Costa Gavras a participé aux protestations. Il a fait un appel au premier ministre et tout ça. Mais malheureusement, nous avons appris que quand on était ici à Cannes, le mardi dernier, on a détruit le théâtre. Et c'était quelque chose qui me fait vraiment du mal. Et c'est incroyable. J'ai interviewé Costa Gavras à Rome. Et il était aussi tellement déçu. Parce que c'était pas seulement un théâtre qui était important pour les Turcs, pour la Turquie, pour Istanbul, mais c'était un théâtre qu'on a utilisé dans le cadre du festival pour 28 années. Alors, on a eu pas mal de. On a eu Antonioni sur cette scène-là, on a eu. Tout le monde, je ne peux pas me rappeler Carlos Saura, qui vous voulez dans le monde du cinéma, de Kieślowski, des frères Taviani. Alors tout le monde était sur cette scène là, ils l'ont vu, ils l'ont apprécié, ils nous ont soutenus dans notre lutte pour pouvoir protéger cette théâtre, mais malheureusement on ne l'a pas pu faire. Ça paraît impossible que la culture peuvent avoir une chute pareille. C'est dommage. J'espère que ce sera un symbole pour pouvoir protéger les bâtiments qui sont similaires en Turquie, dans toute la Turquie. Avevamo intervistato per la televisione Aziz Etan, direttore dell'Istanbul Film Festival, 10 giorni fa a Cannes, che con voce rotta aveva ricordato l'inutile dimostrazione capitanata dal maestro Costa Gavras e da moltissimi intellettuali, compresi tutti noi giornalisti presenti al Festival di Istanbul, in difesa di un teatro storico che proprio mentre eravamo a Cannes era stato raso al suolo per farne un supermercato. Adesso, come avrete tutti visto in televisione, ad Istanbul c'è stata un'altra dimostrazione sempre violentemente repressa nel sangue, organizzata contro la distruzione del Gezi Park, resistenza accolta con indifferenza dai mezzi di informazione locali. Ci uniamo al grido di dolore di Aziz Etan e di tutta la lunga lista di persone, tra cui spiccano le firme di molti importanti personaggi della cultura turca, nel condannare gli atti censori e la violazione dei principi del giornalismo neutrale ed oggettivo da parte di tutti i quotidiani e di canali televisivi tradizionali, soprattutto quelli che si sono sempre dichiarati come i più importanti ed obiettivi della Turchia.